Okay, on va commencer. Bon après-midi à tous. Merci pour votre présence. Nous invite le média aujourd'hui pour faire un point de presse concernant un sujet qui nous fait l'actualité ces dernières semaines, qui est l'achat des autobus pour la CNT. Beaucoup de commentaires sont faits dans la presse, nos bonnes radios. Et certains n'ont même jusqu'à faire une allégation très grave envers le CPB. Par exemple, il y a fait croire qu'il y a une intervention ministérielle qui démarche que le CPB peut faire ou faire sans certaines spécifications illégales et qui peut faire croire qu'il ne peut favoriser l'IFRAMAC. Il y a même écrit pour dire que tu finis décider pour donner un contrat IFRAMAC. Laissez-moi dire d'une façon catégorique et nette que tout ça, les affaires qu'il me dit là, c'est totalement fausse, infondé, et ça, il bien affecté le moral de nos membres du board et de nous personnels. Il est normal qu'il ait fait au travail bien et qu'il dit vous êtes à bout de vous, moi vous connais qui vous ressentez. Le CPB, il envoie plusieurs communiqués et nous finit à l'eau radio, moi personnellement, pour mettre des points sur les i, pour dissiper tout malentendu à ce sujet-là. Il y en a même un PNQ à l'Assemblée, comme vous le connaissez, et quand le ministre de Finances, il gagne l'occasion, étale tous les faits. Mais, dit malheureux, qui même après toute cette explication qu'il donnait dans le public, certaines, il continue à attaquer le CPB pour faire croire qui n'est pas mal donné par le CPB. Le CPB, laisse-moi dire, il est en consultation avec ses hommes de loi pour guetter s'il n'est pas matière à poursuivre contre ceux qui n'essayent pas d'atteindre à la crédibilité et l'intégrité du CPB. Le but de ce point de presse-là, ce n'est pas pour entrer en polémique avec qui que ce soit, loin de là, mais tout simplement pour mettre les choses au clair. Le CPB fonctionne en toute indépendance, sans aucune intervention, sans aucune interférence. Ici, au CPB, depuis que je suis venu en 2011, avec l'aide de nos deux vice chairpersons, M. Wan et M. Kandasamy, et les membres du board et le management, nous introduisons plusieurs mesures pour renforcer ce qu'ils appellent la bonne gouvernance. Nous mettons un système en place qui permette check et contrôle à plusieurs niveaux, avant qu'ils prennent une décision finale concernant l'octroi de contrat ou même concernant des spécifications dans l'appel d'offres. Personne n'a le pouvoir discrétionnaire ici, ni le chairman, ni le board, ni le management, ni les techniciens ou le comité d'évaluation. Vous connaissez, avant même qu'ils nous prennent une décision concernant l'octroi d'un contrat, combien d'étapes ça vient passer. Il n'est pas une question qui, comment ouvrir boîte, comment ouvrir tenders, board assisé et décider que ça peut donner ce contrat-là. Loin de là. Le board, c'est le dernier maillon dans ce processus-là. Le système qui nous met en place ne pas permettre quiconque prendre décision d'une façon discrétionnaire ou arbitraire. D'abord, de nous recevoir un appel, un offre, nous mettre sur pied un comité d'évaluation. D'habitude, il y a un représentant ça a un département concerné là-dedans, mais tout le monde vous en dehors. L'évaluation se fait d'après les critères, parce que les critères sont finis décidés avant, pas qu'ils conduisent à la veille du jeu de mettre les critères, non. Les critères sont déjà définis dans les documents d'appel d'offres. Après que le comité d'évaluation soumette sur recommandation, ça est examiné par un comité technique comprenant un ingénieur, un cadre qualifié du CPB, et puis ça vient au management. Et en dernier lieu, ça vient devant le board. Et c'est là qu'il nous prend décision. Et tous les temps, nous essayons de prendre décision dans le consensus. Et nous avons dit, là, tous les temps, nous avons un consensus, que ce soit entre le board, entre le membre du board, ou management, ou le comité d'évaluation. Tout ça se fait dans une transparence totale et sans aucune intervention de la part de n'importe qui. Au CPB, nous sommes guidés par certains principes sur lesquels nous achevons. La transparence, fairness and equity, ce qu'il appelle fairness and equity, and value for money in public procurement.
C'est ça les principes qui guident nous dans toutes nos bonnes démarches. Nous pensons que tout ça va une fausseté et rumeurs qui certaines personnes proposent aux affaires d'acquisition BCNT, c'est un motif peut-être derrière ça. Un agenda bien défini. Détourne l'attention du vrai problème et discrédite le CPP. Tout à l'heure, on peut expliquer comment tout ça finit de passer et où même vous trouvez ou même qui s'en a, qui ne veut faire quoi. Au CPP, nous pleinement satisfaits du déroulement de cet exercice d'appel de flamme et de bonne décision qui nous prend. Laisse-moi de nous, dans l'ordre chronologique, comment tout ça finit de passer. Nous recevons un document d'appel d'offres, le draft, document de la CNT le 15 mai 2012. Lorsque nous recevons un document d'appel d'offres, nous, les techniciens, examinons en profondeur. Nous guettons ce document-là dans l'ordre, une spécification correcte, et pas et une spécification qui est là, n'est pas pour constituer un problème lors de l'évaluation, et surtout qui ensure une fair competition parmi les fournisseurs et contracteurs. C'est ça qu'ils nous appellent vetting. Vetting, c'est une fonction qui est stipulée dans la loi. Comme on les a fait ressortir d'un communiqué et en même temps lors d'une intervention à la radio, vetting va dire qu'il acceptait toute proposition concernant les spécifications qui est du département du ministère qui a pu proposer. Nous pas ni blind ni conducteur ni cap pour ça, parce qu'il nous a une responsabilité. Vous connaissez beaucoup de fraudes et beaucoup de cas de corruption quand ils commençaient. C'est en écrivant sa bonne spécification là. Vous connaissez si nous avons envie, tout simplement, éliminer le contracteur qui nous faisait, par exemple, pour construire un bâtiment 5 étages, et qui nous aidait. Nous aidait, nous faisait contracteur avec expérience, 20 ans d'expérience, et qui nous aidait à construire des bâtiments 20 étages. Ça veut dire qu'il nous disait, un profil qui serait nous permis de donner ce contrat là. Nous avons envie d'éliminer une quantité, et qui conduit finalement, nous aidons avec ce profil là. Mais, derrière nous a fait comme ça, vient devant le board. Nous posons la question. Première question, nous posons, mais qui est-ce qu'on peut contacter avec 20 ans d'expérience et qui nous a construit un bâtiment 20 étages? Nous pouvons nous poser la question là. Parce que nous avons une responsabilité pour un jour qui est une fair compétition. Qui tout va nous contacter, qui n'a pas fait ce travail là, nous avons une equal chance. Mais c'est là, les qui commencent à vous trouver, non, le ministère a bien insisté, non, nous avons contacté 20 ans d'expérience et qui nous a construit un bâtiment 20 étages, nous commençons à sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct là. Et c'est ça, en principe, qui est arrivé dans le cas de CNT. Je nous pose question concernant la spécification de cela. D'abord, nous trouvons qu'il y a deux choses qui sont aux yeux. Premier, nous demandons ensuite, mais qui faire pour, parce qu'ils opèrent d'acheter deux types de bus. 25 bus de 34 à 38 places et 40 bus de 60 à 65 places. Première question qu'ils nous posaient, et ça, là, nous encore, le 18 juin, hein, bien avant lancement de l'appel d'offres, nous pouvons encore examiner le document là. Nous posons la question avec qui faire pour tous les deux types de bus, qui est le petit, qui est le gros, de Pédoman, qui est dans la même capacité moteur. Une affaire logique ça. Nous n'avons pas besoin d'être mécanicien, nous n'avons pas besoin d'être ingénieur pour demander une question comme ça. Nous, nous, guette d'après logique. Alors, nous posons la question là, qui fait besoin même qualité moteur? Parce que nous, logique, déjà nous, pour 26 bis, ou capable, et là, un moteur moins puissant. Deuxième chose, nous avons, vous pouvez demander une boîte de vitesse avec 6 vitesses. Et d'autre part, bien, en même temps, dans le document là, il y en a qui va bien équipé avec un limitateur de vitesse de 70 km. Parce qu'il n'y a pas un droit de débat 70 km. Il y a un limitateur de vitesse. Mais là, nous disons, je peux mettre limitateur de vitesse, en même temps, je peux exiger que tout bon bus, qui est petit, qui est gros, il y a jusqu'à 6 vitesses. Obligatoire, ça, 6 vitesses. Mais là, nous disons, il y a une logique. Ça n'a pas fait sens. Alors, après discussion, je suis d'accord à propos. Un conseil dans les autres six amendements que je peux proposer, ça je suis d'accord, mais dans ces affaires-là, je dis non, ça n'a pas gagné droit à tout ça, parce qu'il y a un comité technique qui nous dit ça, nous devons maintenir l'IA. Ok, nous devons maintenir l'IA. Alors, ça deux affaires importantes qui nous signalent, nous signent, attirent l'attention, de peine d'accord, je vais maintenir l'IA.
Alors, tout ce qui vous dit là, ça m'a dit qu'il est là, c'est pas mal avec une nouvelle dialogue, c'était là, m'a dit qu'il est avant le lancement d'appel d'offres et qui est bien recordé dans le procès verbal. Là, pour ça, nous sentons blessés. Ok, l'exercice d'appel d'offres lancé. Le 20 juillet, il finit lancé. Et la date pour soumission des offres est fixée pour le 30 août 2012. Tout de suite après, qui est arrivé? Nous trouvons, nous commençons à gagner une bonne représentation. Et ça, nous sommes attendre ça. Parce qu'il y avait une bonne spécification continentale, nous sommes attendre. Et nous trouvons, oui, finalement, qui, là, a commencé la protestation, puis là, commence à demander l'éclaircissement de bonnes fournisseurs potentiels. La première semaine même, là, il a écrit pour demander si la capacité moteur et sa boîte de, avec 6 vitesses-là, est-ce qu'il y est obligatoire. En fait, d'après le document, il y est obligatoire. Et là, il a même écrit pour faire ressortir qu'il n'a pas trouvé des stèques qui ont besoin d'une boîte de vitesse. J'ai écrit pour dire qu'il n'a pas trouvé des stèques qui ont besoin d'une boîte de vitesse avec 6 vitesses, avec surtout qui nous peut demander en même temps un limitateur de vitesse à 70 km. Qui est dans le sens. Hein? Et qui jamais pour servir ça, vitesse, sa 6e vitesse. Là. Et là, il a carrément, hein, laisse-nous dire, et là, il a carrément une dire. Qui, mais avec sa bonne spécification qui est là, mais un seul fournisseur qui peut répondre ça. Les autres sites sont autres. Mais oui, nous, au CBB, nous qui sommes responsables pour un jour et faire comme tu sais, est-ce qu'il peut rester tranquille, là, nous gagner tout ça grâce à la représentation, et pas encore, et encore, nous encore loin de la soumission des offres. Alors, qui nous fait hein? Nous invite la CNT pour des discussions. Et nous n'avons là deux réunions avec CNT. Là, nous avons une finance. Appel d'offres, mais pas encore. La date, encore, il a encore 3 semaines. Là. Le 10, nous avons une réunion, et puis nous avons une deuxième réunion, le 17 août, veut dire 2 semaines avant l'ouverture des offres. Et sa date, le 17 août, là, il est bien important parce que sa date-là, le CNT, il a cessé, il discutait avec nous dans la salle ici même. Quand nous tombons d'accord, pas veut dire rien imposé, hein, parce qu'il y a d'autres causes d'affaires, intervention dans l'affaire CNT, tout cela, non. Nous tombons d'accord, nous saisons ensemble, avec représentants CNT, nous tombons d'accord qui apportent certains amendements pour ouvrir la compétition. C'est ça qui nous envie. Nous avons envie qu'il y ait la compétition. Ouvrir la compétition et ce qui principalement, ça a deux critères, ce qui est mis comme obligatoire là, ils décident pour rendre plus souple que. Je ne sais pas pour exister, l'eau qui conduit ben, un moteur de 160 à 180, mais un moteur de 160 à 200. Conduit est large. Et en même temps, il décide pour ne pas insister l'eau 6 vitesses, qui est raisonnable. Alors, fini tombe d'accord, et fini d'accord qui, en même temps, nous pour renvoyer sa date qui s'est fixée pour soumission ben, off au 21 septembre. Veut dire, et ça fait l'idée ordinaire, surtout les pays de changement, où donne l'occasion, ban soumissionnaire, ban bideuse, pour nous dire, donne cette occasion pour préparer votre bid et prendre en considération ban changement qu'il peut apporter, et là, votre cas soumet votre bid avec tout à loisir, hein, je n'ai pas aucune pression lourde. Alors, tout ça, il est décidé. Le 17 août, il est décidé pour renvoyer la date. Il décide pour amendre certaines manifestations qui étaient contraignantes, mais qui nous trouvaient qui arrivaient. Je suis retourné, je ne pas dire non. Parce que, ben, changement qui n'a, c'est notre responsabilité pour communiquer ça, ben, soumissionnaire. Hein, parce que, d'après là, c'est eux mêmes erreurs. Mais ici, nous comprenons qu'ils ont fini d'accord, mais les autres retournés, je n'ai pas fait non rien. Je reste tranquille. Aucune action, pas une prend, pas une info, ben, vidéo, tout. La veille qui nous va attendre Banvit, ça veut dire le 29, le 30, mais tu peux attendre. Le 29, je décris nous pour dire non, je décide pour maintenir sa bonne spécification comme tu étais et qui pas besoin renvoyer sa date qui est fixée pour soumission ban off. Résultat, vous connaissez qui peut être. Parce que. C'est déjà une amende de représentation. Alors finalement, tu ne restes pas et il nous a bien ouvert vite sa date, le 30 août là. Sans aucune modification, il a porté ça. Alors, résultat qui était.
En passant, laissez-moi dire vous, à peu de sens, bon, dans ma spécification, dès qu'il y a un exercice infini lancé, il n'y a pas des affaires illégales, ça, hein, comme certains nous prétendent. Ça, il y a des affaires courantes et une pratique internationale. Parce que ça permet de nous, à peu de bonne rectification, et un jour qui est dans un competitive exercise, et dans suffisamment de bonnes vidéos qui ont participé. Et qui, si tu as quelques bonnes restrictives things, comme nous trouvons dans Tina, nous avons amélioré, nous avons apporté une question. Vous connaissez dans certains, dans le contexte de certains appels d'offres, parfois, un changement, pas un, pas deux, pas trois, parfois une cinquantaine de changements. Et ça, c'est healthy, ça. Parce qu'il y a une vidéo, je te réponds, je te dis, parce que comme ça, nous avons fait ça. Alors, ça, c'est une affaire tout à fait dans l'autre, tout à fait légal. Alors, je ne refuse, une question qui t'y permis, qui t'y permissible d'après là-bas, finalement, pas connaître qui faire, qui s'en a qui nous décidé, qui n'a pas besoin pour aucun changement. Et pour quelle raison? Pour quelle motivation derrière ça, ne pas connaître? Nous laissons juger. Alors, ça, vous même vous devinez, qui faire, là, qui connaît tout du monde, tout le soumissionnaire qui peut crier bien pour certains changements, et ici, il finit d'accord, c'est indéfini d'accord, tout, mais les autres retournés, qui quand même décident, non, pas besoin de faire rien. Alors, nous laissons ça pour décider, maintenant, nous tout connaissons qui n'arrivait. De trois soumissionnaires qui ont participé, qui ont envoyé une bits, un seul là-dedans qui gagne 10 sur 10. Et vous connaissez, si vous avez ça, vite ça soumissionnaire là, vous riez, qui faire? Partout les gars right. Quand toutes les spécifications les gars right. Par contre, ça deux autres soumissionnaires là, d'autres fils. Qui fait d'autres fils? Parce qu'un, il propose une bis de 180 HP. Là, ce qui me demandait, les 180, jusqu'à 180. Alors, la cause, c'est 4 SP en plus, DO. Et en même temps, ce boîte de vitesse, lit 5 vitesses, DO. Un autre soumissionnaire encore, lui, il soumet, offert une bis de 210 HP. Ça aussi, DO, parce qu'il y a en DO, il y a plus qu'il 180, DO. Et lui aussi, il propose une boîte de vitesse avec 5 vitesses. Et parce que ça qui s'est demandé, c'était 6 vitesses. Alors, Déo, finalement, qui nous restait? Un seul. Alors, là, qui nous fait? Nous mettons un comité sur pied pour analyser sa offre-là. Et ça a révélé que sa seule soumissionnaire qui s'obéit dans ce qu'il nous appelle compliant, qui répond à toutes les spécifications, nous trouvons que ce prix dépasse ce qu'on appelle estimateur, le coût estimé, qui est communiqué à nous par le CNT lui-même, qui dépasse sa coût-là par plus que 44%, plus précisément 44,77%. Et là aussi, vous connaissez qu'ils ont venu faire croire, ils ont venu faire croire que, non, en fait, dans sa prix, sa cotation, tu viens tirer sur le maintenance cost. Parce qu'il détient sur le maintenance cost, il vient seulement 11% en plus. Mais laisse-moi faire comprendre que ce projet-là, c'était un projet pour l'acquisition de 65 bis plus le maintenance cost et le TVA. C'est ça pour ça que je présente. Et le coût de ce projet-là, comme communiqué par la CNT, c'était 180 millions. Aucune part dans mon document. Pas un dire qu'il y a 180 millions là, il exclut un maintenance cost ou si pas il exclut un TVA. Pour nous, c'est un projet pour lequel, à la ou dire, ou bien plus maintenance cost, plus TVA, à la, nous estimation, c'est 180 millions. Mais c'est ça. Si, mais, d'autre part, laisse-moi dire en passant, qu'il y a un nouveau document qu'ils ont soumis pour le même exercice, dimensionné clairement. Il y a un nouveau chiffre qu'il donnait pour estimation, mais il dit clairement que ça, il exclut maintenance, il exclut TVA. Alors, il fait une différence. Alors, je dis à Tchikav négocier parce qu'il dit seulement 11%, mais pour nous, définitivement, il n'est pas 11%. Même s'il dit 11% plus, il y a un bon chiffre qu'il recevait des bons autres fournisseurs, nous trouver il y a une différence de 31 à 37 millions roupies, 6 le gros bis. 6 le gros bis. Et dans l'époque, ça, qui est un petit peu logique,
Il vous dit, mais bien nous connaît qui nous a acheté bis aussi bon sur les marchés pour un prix plus abordable, mais qui fait nous bien. Il stick to this. Qui fait nous bien acheter ce bis là, coûte que coûte avec son fournisseur là. Parce qu'il a toutes les possibilités. Et ça, moi, je dis seulement le bis, le gros bis. Là. Si met tout ensemble, peut-être ce chiffre qui nous a économisé, il faut beaucoup plus. Et d'autre part, dit bon, qui nous fait ressortir, qui. Et là, il y a un petit cas à négocier. Vous connaissez la loi qui dit à l'autre affaire négocier. La loi dit, si nous ne recevons, si le bid ça qu'il appelle l'OS, évalué de bid, s'il dépasse largement l'estimé de cost, et si un nouveau exercice d'appel d'offres n'est pas considéré comme étant acceptable, l'ELA n'est capable de négocier. Laissez-moi dire où ça extrait qui concerne la négociation là. Il dit clairement, c'est Regulation 8 qui s'est un côté. Regulation 8 dit « Special circumstances for negotiations ». Negotiations may be carried out with a bidder or supplier where the lowest evaluated substantially responsive bid is substantially above the updated estimated costs and a rebid exercise is not considered practical. Mais dans ce cas-là, nous trouvons clairement qu'il y a un rebid exercise, un nouveau appel d'offres, qui est dans l'intérêt de tout le monde. Qui est dans l'intérêt de CNT parce qu'il nous trouvait potentiellement les caves économisent plus que 37 millions en vie. Puis, nous disons, nous, mais qui fait un ça entêtement pour même les prix-là, puis il faut bien négocier avec sa fournisseur-là. Ça, il de nous à réfléchir. Alors, c'est pourquoi nous prenons la décision, parce qu'il y a une recommandation de ça, ce qu'on appelle Bid Evaluation Committee-là, une de nos recommandations, il y a nous. Annule l'exercice. Non, je dis à nous qui s'apprit là, il dépasse largement et qui je préfère un rebid exercise. Ce qui nous fait, nous écrit CNT, nous dit qui nous peut nous proposer, nous recommander pour annuler sa solde. C'est bon de noter que, comme je vous disais, allez là dans un nouveau document appel d'offres qui nous recevra deux semaines de cela pour même projet. Hein, là, de t'estimer de consigne sans aide. Et en même temps, laisse-moi faire ressortir que cette fois-ci, je revois la capacité du moteur. Là, je n'amène ni, puisque c'est ce qui nous fait proposer, entre 160 et 217, qui ouvre la compétition, qui n'est pas comme avant les six restreints. Et deux semaines de cela, je n'avais ça. Nous dire, mais si je t'écoute la raison, avant même, hein, peut-être, je aussi, nous sommes dans un nouveau bis de la route. Et qui sait, peut-être qu'il même évite ça, le drame des sauvages. Tout cela pour nous démontrer que peut-être il y a une tentative pour favoriser un soumissionnaire particulier, un fournisseur particulier. C'est pourquoi au CVP, nous décide pour refaire ça à l'ICAC. Vous êtes initié une enquête, vous guettez si vraiment il y a une tentative de fraude. Pour nous, nous conscience bien claire, nous connaît, nous faisons notre travail correctement, mais les malheureux qui n'est là une attaque, qui une critique, une seule, qui est bien informée. Avec ceci, je termine mon point de presse et vous dites merci beaucoup pour votre patience. Et si je tenais à quelque chose sur ce sujet-là, et d'accord pour ça. Peut-être si tu gardes nous la date quand on prend décision pour qu'il y ait un nouvel exercice d'appel d'offres. Ça, il y a des minutes comme ça. Non, on dit, pas nous qui décidons hein, oui. Pour un nouveau exercice d'appel d'offres. Ça, c'est un qui vous décidez. Oui. Nous recommandons l'annulation. Hein, l'annulation de ça appel d'offres avant là. Hein. La date. Quand on recommande l'annulation du premier exercice. Ça c'était au début septembre, ça, hein? Au début septembre l'année dernière. Pourquoi c'était vers le 6. Le 6, voilà. Le 6 septembre l'année dernière. Hein? C'est suite à l'évaluation qu'il fait, là, nous prenons décision. D'accord.
Oui, il faut dire pas une langue, pas une langue. Donc, c'est un métier où qui, bon, on peut la voler tout blanc, mais on peut dire que la faute est ailleurs. Que ça, on peut viser. Non, on ne va pas viser personne. En fait, peut-être à travers les articles que vous connaissez. Hein, mais nous nous concentrons. Nous, par exemple, on dit dans le commencement, nous ne sommes pas là pour mettre le blâme, pour rentrer en polémique avec qui que ce soit. Mais nous avons envie de mettre les choses claires en ce qui s'agit du rôle que le CPB nous joue. Pour nous, les choses nous font strictement d'après les règles. Donc, c'est clair que tu peux favoriser le policier. Comment nous dire, en fait, vous pèse le mot bien, il paraît que quelqu'un peut être. La cause là, il paraît hein, qu'il conduit une tentative pour favoriser certains fournisseurs, mais nous laisse, il garde fait cela en fait. Pardon? On fait une gagne de deux semaines, à peu près deux semaines de cela qui nous gagne un nouveau document d'appel d'offres de CNT, non? Non? Pardon? Une gagne deux jours de cela. Écoute, si je suis arrivé concernant ça, en fait, qu'ils ont réservé ça déjà un nouveau document. Qu'est-ce que je suis arrivé à ça? Oui. Merci pour la question. Nous ne recevons ça, ce document-là, comme d'habitude, parce qu'elle a fait nous faire ressortir. Jamais nous prenons une décision par nous-mêmes. Toujours nous avons une consultation. Nous recevons un document d'appel d'offres, nous avons une consultation, nous causer. Nous recevons ça, je me rappelle, nous avons fixé une première réunion, mais maintenant, parce qu'il est venu, parce qu'il s'en joue là, c'est dans la grève de CNT. Je suis excusé, des trois jours après, je suis venu, mais là, dans la conjoncture, nous vous mettez bien dans sa conjoncture, etc., là, nous disons qu'il est bon nous réfléchir ensemble, nous gagner un coup, il paraît qu'il y a urgence, parce qu'il nous tout connaît, qu'il s'est un petit fait la grève, parce que je ne dis pas que c'est pas bon, il n'est pas redoisé, et qu'il aime bien certaines routes. Et mais avant qu'il puisse nous procéder avec sa appel d'offres-là, parce qu'il y a des questions, dans le même bas, si vous faites ça, parce que tu peux avoir de taille, tu peux gagner, et qu'il puisse dire, ben, bis, tu peux fournir, deux, après le droit du contrat, deux par mois. Open advertise bidding, non? Oui. Open advertise bidding avec ça. Mais là, nous disons, ben, à réfléchir un coup, parce qu'il y a plusieurs options qu'ils ont pas considérées. Et s'il y a une urgence, mais le CAV même considère, imagine ce qu'on peut mettre, le CAV considère pour acheter un certain nombre de bus déjà faits et de vidéos. En fait, plusieurs choses, mais c'est là qu'on dit très clairement dans notre qui nous a envoyé, these are the options et la décision reste à eux. Ça dit clair ça. Parce qu'il y a une autre fait comprendre qui comme si nous l'impose aux autres pour qu'on tourne le règlement pour pouvoir le faire, imagine ce qu'on peut mettre, jamais nous donne l'intention, jamais nous impose quelque chose. Nous faire qu'on appelle nous faire une brainstorming parce que vous connaissez un département faire un achat. Il n'est pas concerné, il n'est pas concerné nous, il concerne nous tout. Nous tous nous assis ensemble parce que c'est pour le faire qu'on dit pour le gouvernement ça et nous avons un coup ce qu'on appelle what could be the best solutions in the given circumstances. Nous faisons une réflexion, il est là, nous avons nous décider nous maintenant. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu aucune réponse pour dire qui. Au contraire, nous avons une reminder aussi, hein. Nous avons une reminder aussi pour dire, dis-nous qu'ils ont décidé, parce que la situation-là n'est pas la même qu'on les citait avant, hein, d'accord, aussi, hein, parce que la situation, il y a un certain développement qui est là, qui peut-être nous vient prendre en compte, bien nous décider, parce que par exemple, il y a une catastrophe, bien nous dire, nous vient go for emergency procurement, les justifier. Et là aussi, nous disons, dans la réunion ici, nous bien justifier, nous bien dire, qu'il faut dire, si à Roosevelt, pour emergency procurement, nous bien en mesure pour justifier. Parce que pas nous qui décidons, et les autres doivent justifier. Mais ça, ben, option qui est là, nous faisons une réflexion, et elle est là, nous disons maintenant, c'est à eux de décider. Et ça, d'un coup, c'est bien clair. Mais les malheureux qui vont dire, ils ont mal interprété ça, comme si peut dire, c'est PPP pour intervenir, interfère dans une chose, et puis impose certaines. Ben, si vous avez une correspondance, c'est clair. Ils hein? Disent clairement, these are the options you may wish to decide, which option to opt for. Non, nous n'avons pas une réponse. Il n'y a pas une réponse. Oui, parce que pour nous, quoi, hein, parce que nous avons un document là. Pardon? Il y a un délai qui est sur la CNT pour nous. Non, en fait. Comment vous pensez que vous utilisez le problème? Il y a quand même une urgence.
Oui, non, l'urgence, c'est pas nous qui avons plus ressenti l'urgence, pas nous qui avons plus l'urgence pour eux. Mais au contraire, nous n'avons pas de reminder. Hein? Reminder, date de quand hein? Pardon? Reminder, date de quand? Quand c'est semaine dernière. Hein? Semaine dernière. Semaine dernière? Semaine dernière, non, oui. Parce que vous connaissez tout un projet qui doit nous faire un suivi régulier, ça. Hein? Parce qu'il n'est pas content, il est en retard. Ça va, il est facile pour dire, ah, document là, c'est PB, je n'ai pas pu prendre, je n'ai pas pu faire rien. Est-ce qu'il finit d'un moment donné, depuis l'année dernière, donc et la première, le premier exercice d'appel d'offres, est-ce qu'il finit là, peut-être un lot de la part des autorités, le ministère du transport, pour qui donne ça été système cross-tracking? Non. Non, pour nous, non. Hein. Pour nous, au CVB, non. Pas une aucune consigne, aucune chose. Au contraire, si besoin d'une consigne, nous attendons de CNT. Parce que nous autres connaissons d'autres situations, nous connaissons d'autres gens, beaucoup plus bien qu'il n'est pas autre qui. Mais pour nous, c'est-à-dire, pas une. Au contraire, nous, pour dire d'une façon, nous évoquons. Faire d'autres pensées qui vont dire, mais un coup, si on dit une urgence, mais s'il y en a pour pense à d'autres méthodes, d'autres façons, mais pense là et retourne vers nous. Vous revenez à la réunion du 17 août, que la CNT, c'est pas vous présenter le MINLAB, oui. Ici même, comment tu peux dire. Vous avez connu qui ça va être présent pour la CNT? Oui, on fait une année là, non? Monsieur Sounaran? Non. C'est dans M. Gadjador. Non, attendez, je ne sais pas ça. Mais c'est dans deux réunions. Hein? Oui. Elle, le 10. Le 10, et après le 17 août. Deux réunions, et l'un le 17 août. Et le 10 août, okay. Après le deuxième match, c'est le 17 août. À peine allé devant moi là, mais de mémoire, au cas où, il y a M. Malam Assam. Le secrétaire de la corporation, c'est là M. Gadjador et M. Gaillard. M. Gadjador, il occupe quel poste? Chef ingénieur. Chef ingénieur, non? Oui. Gaillard, chef ingénieur, et M. Gadjador, il est senior technical and mechanical officer. Ok, si vous avez d'autres questions, je vous dis merci beaucoup. Et vous espérez qu'il nous apporte tout un éclaircissement voulu pour s'assurer qu'il nous fait beaucoup de bruit dans la presse et dans la chose. Et avant de nous une petite collation qui nous prévoit, please, vous êtes capable de servir.